C'est ce soir que la formation Random Recipe donnera un concert au Cercle dans la ville de Québec. Et pas plus tard que demain, c'est au tour de Chicoutimi d'accueillir le Quatuor. Cette série de spectacles s'inscrit dans la tournée promotionnelle de leur nouvel album « Kill the Hook » lancé il y a 10 jours. À ce sujet, nous avons présentement en ligne l'un des membres de Random Recipe, Fab. C'est une des deux voix de cette jeune formation. Et aussi, elle est derrière ce beatbox. Bonjour, Fab. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, ça fait plaisir. Plus de 3 ans se sont écoulés avant d'offrir un nouveau matériel à votre public. Comment s'est déroulé ce processus créatif? C'est pas le premier album pour 2010, c'est en 2010. Puis on a quand même roulé sur cet album-là pendant un bon 2, même 3 ans, de faire de la tournée, des spectacles un peu partout au Québec puis à l'extérieur. Mais on trouvait finalement, après 3 ans, ça commençait à être quand même long, puis on avait beaucoup d'autres, des nouvelles expériences dans nos vies, des nouvelles inspirations, puis on écoutait tout dans de la nouvelle musique, puis il fallait vraiment que ça sorte, tout ça qui était dans nous. On s'est dit, maintenant c'est le temps, en 2012, c'est le temps, on va s'asseoir ensemble, on va écrire un nouvel album, puis on va, 2012-2013, pardon, puis on va sortir toutes nos idées, que ça fait un petit bout là qu'on a, puis qu'on n'a pas eu encore la chance. Fait qu'on a pris, on savait pas trop au début quel genre de processus faire pour écrire un nouvel album, là, parce que c'était comme la première fois qu'on mettait nos 4 têtes ensemble. Au lieu que ce soit juste Franny puis moi, puis les idées viennent de nous deux, c'était avec Vincent, le guitariste, et Liu Kang, le percussionniste. Donc, on était 4 à s'asseoir autour d'une table puis dire « All right, guys, les idées viennent de nous 4. Quel processus on prend pour écrire ça? » Fait qu'au début, c'était drôle parce qu'on était dans notre local de pratique. On arrivait, puis on était comme « OK, ben on jamme quelque chose. » Tu sais, on joue quelque chose, puis on voit s'il y a de quoi d'intéressant qui sort. Puis finalement, on jouait un peu, puis ça avait comme tellement pas rapport, puis on était moins confortable à écrire des trucs comme ça. Fait que finalement, on retournait à la maison, puis chacun de nous écrivait des petites idées, des rythmes. Tu sais, Liu, il retournait, puis il y avait une petite rythmique qui trouvait intéressante, Franny une mélodie, Vincent un arrangement ou quelque chose, moi aussi un beat. Puis on revenait en pratique les jours d'après, puis chacun, on amenait nos idées, puis tranquillement, on travaillait sur 1, 2, 3 tunes à la fois, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on a trouvé un peu notre façon de travailler sur Kill the Hook, qui a été quand même difficile à faire, mais qui est super bon, un beau projet qui est sorti de là, fait que... Oui, on nous a informé qu'il y a eu beaucoup de prises de bec en studio pour aboutir au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Racontez-nous un peu cette histoire. Oui, ben en fait, je pense dans n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine, il n'y a rien qui se fait super facile, puis « all right, let's go », c'est facile, on joue tout le monde, on est sur la même page. Non, c'est comme il faut des fois aller par le côté un peu, faut voir des fois les côtés plus sombres, parce qu'on est 4 individus avec, on est 4 têtes dures, on se retrouve similaire pour telle chose, mais on a quand même une façon très, très différente, juste dans nos vies, dans nos lifestyle, on a une vision des fois qui est très différente. Puis en tournée, on s'entend super bien. Mais quand on arrive à écrire un album, moi personnellement, je suis très, c'est pas mon fort être en studio. Je préfère être sur scène. C'est quand il faut construire une chanson à partir de rien, je devenais tellement angoissée en écoutant juste une petite mélodie puis un petit truc. Puis je suis comme, ça peut pas être juste ça, ça peut pas être juste ça. Pardon. Vincent, lui, qui est comme, on arrive justement, le studio donne comme un monde de jouets pour un musicien. Tu peux avoir toutes les guitares, tous les claviers. Tu peux utiliser l'ordinateur puis faire des loops puis des choses comme ça. Fait que lui, il s'emportait beaucoup trop loin des fois dans des arrangements. Puis tu sais, c'est comme très difficile de trouver le genre de juste milieu. Puis l'album en tant que tel, ça représente quoi pour nous quatre? C'est toutes des petites définitions ici puis là, puis qu'il fallait, en faisant l'album,
album en jouant de la musique et étant artiste, il fallait quand même trouver des petites définitions à tout. Puis c'est là-dedans que des fois on se pognait, puis ah, moi je suis pas d'accord, puis ah, je suis pas d'accord. Puis finalement, tu sais, une chanson que quelqu'un aimait, on la scrapait parce que ça représentait pas quelque chose, puis peu importe. Mais tranquillement, une fois que l'album était fini, puis on s'assoyait ensemble les quatre au mois de juin, juillet, puis on a réécouté, puis ça a juste fait comme « guys, c'est vraiment très bon ». Même si on a passé par le presque le pire du pire, on est revenu avec un cadeau, un « we were all very impressed ». On était très, très, très fiers, très comme choyés, disons, puis on... par qu'est-ce qui est sorti, puis c'est vraiment, s'il y avait à refaire un autre album, je pense pas que ce serait plus facile, mais je pense qu'il y aurait beaucoup d'expérience du deuxième qu'on se rappelle, mais rien se fait sans bataille, mais sans, il faut qu'on débatte des fois des points de vue, surtout quand on est quatre, quand on est une équipe, c'est un côté, on veut toutes la même chose, mais il faut savoir comment s'y rendre, tu sais, c'était rough, mais c'était cool. C'était cool. C'est on est tous fiers que le band existe encore, obviously. Puis que on continue avec l'album Kill the Hook qui est incroyable. Vous êtes quatre. Quel est votre point en commun en inspiration, d'inspiration? Qu'est-ce qui est notre point en commun? On en a plusieurs. Autant le côté pas liché, comment dire. Quand on écrit une chanson, les quatre, on est d'accord que même, admettons qu'on écrivait une chanson puis ça sonne vraiment, vraiment pop, il y a toujours un côté de nous quatre qui se dit « Alright, je pense que ce serait cool quand même, on prend cette version-là puis on la salit un peu. » Tu sais, il y a comme un côté de nous autres qui est pas... qui est quand même raw, qui est quand même organique. Dans notre instrumentation, c'est la même chose. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on joue pas sur des séquences. On est un groupe de musique qui adore voir d'autres groupes qui jouent sur des séquences, autant d'aller regarder une orchestre de musique classique. Mais nous autres, ce qui nous fait vivre aussi, c'est le côté très justement organique. On est capable, on arrive, on engage au pire un musicien de plus, puis on joue tout main live. Il y a rien qui est pré-enregistré, pré-joué. Fait que ça fait quelque chose de un son qui nous représente beaucoup. Puis je pense pour l'album Kill the Hook, le truc qui nous a le plus tenu les quatre ensemble, c'est qu'on était bien inspirés par les années 90, autant dans le monde grunge que dans le monde hip-hop. Tu sais, le Nirvana, le Salt and Pepper, le côté Franny, il faut que je le mentionne, No Doubt, Franny à quatre fois sur Gwen Stefani, puis No Doubt, ça, ce côté-là aussi. Mais il y a quelque chose des années 90 qu'on a passé par-dessus un peu rapidement quand les années 2000 sont arrivées, mais on y retourne là, puis on est comme... Il y a une genre de petite tâche de on vit avec nos différences, puis ça donne un produit super intéressant. Puis les années 90, c'est un peu ça. Fait que je dirais que c'est peut-être ces trois points-là. Et Fab, pour vous, des 12 pièces, laquelle vous interpelle le plus? Oh... Bonne question. Ça, c'est, je pense, c'est vraiment, c'est différent pour chacun de nous. Je pourrais dire des pièces intéressantes. Je sais que Liu Kang, là, il adore Sultan. Sultan, qui est une pièce qui commence par moi qui joue du steel drum. Mais la rythmique dans cette pièce-là, si vous écoutez bien le drum, la batterie, pardon. C'est très poussé, c'est très, très énergétique. Puis ça se promène quand même beaucoup. Il joue beaucoup avec ses toms. Il y a des breaks qui fait que ça nous retient. Puis après ça, le beat, il recommence. C'est une chanson que Liu aime vraiment beaucoup. Vincent, lui, les arrangements dans la toune, la chanson « Hambourg », je pense que c'est la deuxième de l'album, troisième exact, de l'album. Deuxième. C'est une chanson plus inspirée du genre de rock un peu années 60-70.
un peu à la Beck, Vincent, un grand, grand fan de Beck, voulait comme trouver ce, justement ce son-là, mais ajouter quelque chose de plus. Puis là, quelque chose de plus, c'était justement que je rappe sur ça. Puis ça faisait quand même quelque chose de différent pour lui à son oreille. Mais c'est en bourre pour les arrangements, c'est définitivement quelque chose, la baseline, puis tout, quelque chose que j'ai l'impression que lui aime. Franny, elle est elle craque pour Beautiful Connection, qui m'aime moins, une chanson que j'adore vraiment beaucoup. Une chanson qui une des premières chansons que Franny puis moi on a écrit, surtout pour les paroles et les mélodies. Moi j'étais en Floride, puis Franny était dans son chalet, c'était début janvier, là, juste après le nouvel an. Puis c'est une belle chanson, je pense, qui joue beaucoup dans, encore une fois, dans le côté mélodique, mais qui représente très bien le Random Recipe avec le beatbox par moment dans la chanson, la mélodie de Franny, les raps. Franny, elle rap beaucoup dans cet album-ci, puis le rap est très, très fort de sa personne. Puis je pense, pour finir, moi, j'adore la tune Monsters and Swords. Je crois que c'est une belle chanson, encore une fois, rythmique, inspirée un petit peu par du M.I.A., qui est comme dark, mais pas tout à fait. Les paroles sont très poussées. Le rap à Franny qui commence sec, sur rien, sur aucune mélodie. Je trouve que ça donne le côté comme dans ta face. Puis après ça, la rythmique qui change, mais qui donne encore plus un côté comme on veut danser, on veut « we wanna let the monsters out ». Il y a comme ce côté-là qui est très cool, « Monsters and Swords ». Fait que je pense que c'est les quatre chansons. Je peux pas dire une préférée parce que les autres vont me tuer. Fait qu'il faut que je passe par les quatre. OK, mais on va jouer votre choix à vous. On l'écoute à l'instant au 102.3 FM. My girl said we had months in hate. Some were hitting close, some pretend to be dead. Gathering this always hunted them when you can. Yeah, I'm screaming, I'm taking over your head. Some were born deep, deep years ago. And all you had were gaga, goo-goo fingers and toes. And some grew up with you, dug a place in your soul. Didn't be that something I say you don't want to let go. Thirsty monsters always had a bottle in hand. Gotta buy a bottle, bond, try as hard as you can. Got into your DNA, what you can do to forget. Go to buy a bottle, chug it down, give no place to regret. We gonna fool monsters. Then we got my bells, my game is over. It's when you witness, I saw a princess. She ain't mine, but damn, I just don't mind. You see my greedy monster, she gonna take a level. Cookie monster, he's a trick or treater. Ain't by the hunger, past the bread and butter. It's like my potion for emotion. Need a box solo down, cause I'm stuck with my frown. I got a bunch in a cane. She gonna hit the fan. Monster's taking over like killer ants. My eyes, my glance, my lies, my pants. And I run no way so far in the game. Ain't no fun to play if wars in this way. I'm Houdini with no glowy story. Never gonna see me escape my drama, homie. We gonna fool. Never gonna sword shining in your teeth, like you got someone been hidden deep, deep
sur cet album Kill the Hook, vous avez eu la chance de collaborer avec le rappeur américain Fat Tommy et le japonais que je vous laisse prononcer son nom, peut-être j'ai peur de l'accrocher. Annelise. Oui. Son groupe, c'est Annelise. Le gars, il s'appelle Kim. Kim, OK. Ah, ben, plus facile. Et le japonais, Kim. Dans quel esprit l'expérience s'est déroulée? L'expérience, en fait, les deux expériences sont très intéressantes parce que pour cet album-ci, on se disait, Franny puis moi, comment est-ce qu'on peut amener une autre texture, tu sais, que ce soit peut-être pas dans un instrument, puis au lieu de pousser une langue de plus, parce que Franny puis moi, on rappe aussi en espagnol puis en italien, fait que ça fait déjà trois langues, anglais, français, italien, anglais, italien, espagnol. Et on s'est dit, tu sais, au lieu de d'amener une autre langue ou d'essayer de trouver une texture de plus, pourquoi pas juste chercher un featuring, quelqu'un ou quelques personnes qui vont venir justement donner cette texture-là, mais avec leur voix. Fait qu'on s'est dit qu'en tant que deux filles chanteuses, ça serait bien d'avoir des voix de gars. Dans un style hip-hop, Fat Tony. Fat Tony, je l'ai rencontré il y a 2 ans de temps à Pop Montréal, le gros festival ici de musique émergente, justement, puis il était ici du Texas. Il faisait une couple de spectacles, puis je l'ai approché, je suis allée voir un soir, puis je l'ai approché après le show, puis je lui ai juste dit, « Dude, t'as tellement un bon flow, puis il y a un flow justement très particulier qui est pas nécessairement comme d'autres rappeurs super dans ta face, puis whatever, il est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, mais justement on entend bien ses mots, puis il y a un côté un peu, comment dire, sarcastique que j'ai beaucoup aimé, puis c'est les beats sur lesquels lui chante normalement, c'est de la musique, c'est autant du hip-hop, mais un peu edgy justement, qui suit pas le hip-hop qu'on connaît dans les clubs, là. C'est quand même un peu différent, plus expérimental. Fait que je trouvais que déjà ça, c'était super cool. Puis quand je l'ai appelé, puis on a jasé, puis le contact a juste resté tellement humain que finalement, il a écrit son rap en 2 jours, puis il m'a envoyé ça, puis on a capoté. Puis même chose un peu pour Franny qui a rencontré Kim, Annelise, le japonais. Il était ici pour une tournée panaméricaine avec 2 autres groupes japonais, puis Franny a travaillé au Lambi dans le temps, puis le band était là, fait qu'elle les a vus aussi live. Puis lui, c'était une musique très... c'était comme une genre de fusion entre, Rage Against the Machine, mais avec du jazz. Fait qu'il était quand même très crazy sur stage. Puis finalement, même chose, je l'ai approché après le show. Puis la communication a été quand même drôlement très simple avec lui. Il parlait vraiment pas beaucoup anglais, sauf qu'il était super motivé. Puis lui aussi, même chose, avec des emails du Japon au Québec, back and forth. C'était comme 3 emails. Premier pour envoyer la toune, deuxième pour dire un peu de quoi ça parle, puis le troisième, il avait déjà son rap écrit. Ça nous a pris beaucoup de temps à trouver la traduction, mais ça donnait tellement des belles textures à la chanson Sultan puis la chanson Traffic, que je pense pour l'album aussi, ça donne comme un beau... ça fait comme une belle complicité avec les autres pièces. Fait que c'est vraiment quelque chose dont quoi on est fiers. Avoir 2 rappers, guys, puis peut-être l'année prochaine pour notre show de rentrée montréalaise, on va peut-être pouvoir les inviter. Fait qu'on se croise les doigts. À suivre, alors. Et Fab, en parlant de collaboration, pour la création de la couverture de votre album, vous avez uni votre talent artistique à celui de 2 autres artistes pour concevoir cette jolie pochette. C'est Max Otto Fauteux. Oh, okay. Max Otto Fauteux, c'est un génie, un scénographe. En fait, Max Otto, on l'a rencontré il y a 2 ans, 3 ans, avec notre album Fondé de mon but, à travers quelques amis, Pierre Lapointe, entre autres. Et puis, il tripait sur notre musique. Et c'était, on l'a pris tout de suite comme le 5e membre de Random Recipe. Il était capable, d'un coup, de décrire qu'est-ce que les 4 on aimait, mais visuellement. Et c'est tellement rare. On a parlé tout à l'heure de comment c'est difficile pour nous 4, des fois, de bien s'entendre. Surtout visuellement, quand c'est même pas notre domaine. On est musicien, on est artiste, mais
musical, mais quand le côté visuel arrive, faire des vidéoclips, faire justement des pochettes d'albums, on a comme aucune idée. On est loin d'être graphiste. Fait que Max Auto est arrivé straight up de l'école. Il sortait justement de l'école du théâtre. On l'a comme pris avant que les autres le prennent. On a dit, Maxo, s'il te plaît, travaille avec nous autres. On adore ce que tu fais. Puis je pense, lui, il adore vraiment la musique de Random Recipe. Ensemble, ça fait tellement un beau, une belle collaboration. Il a designé nos stages à Montréal en Lumière, à l'Astral. Il a fait le musée d'art contemporain, quand on a fait le show remix, qui était incroyable. Fait qu'on a dit, ben Maxo, t'as la carte blanche pour designer la pochette d'album pour Killed Hook. Vas-y fort, puis amuse-toi. Fait que il a pris une couple de nos idées visuelles, on lui a envoyé des photos de individuellement chacun de nous qu'est-ce qu'on aimait, un genre de comment on dit un comme un mood board qu'on appelle mur d'inspiration. Dans ce genre-là. Fait qu'on envoie des photos, il a regardé ça un peu, il a brainstormé puis il nous a renvoyé une image qui était l'idée de sculpter nos en fait l'idée c'était lui c'est un gros fan, même un peu fou, qui décide de, comment dire, séquestrer les quatre membres de Recipe, couper leur tête et les accrocher sur le mur dans son salon. Fait que ça a comme donné ça comme pochette d'album. On peut voir les quatre têtes de Random. Fait que nous quatre, puis c'était une procédure quand même long parce que c'était il a moulé nos visages et comme sculpté dans du plâtre. Et ensuite, les fils qu'on voit qui pendent à nos coupes, c'est comme nos membranes, si on veut. C'est des fils des fils techniques là, pour écouter de la musique colorée. Et puis, nos têtes sont comme coupées un peu violemment. Si tu vois, le cou, il est comme pas fini, puis les trucs qui pendent. Puis, on est les quatre posés sur un mur de ciment, de béton. Puis, that's the cover. C'est un peu... c'est une photo qui a été prise par Jérôme Nadeau, excellent photographe qui démontre justement cette installation. Puis on a adoré juste même pour le premier album avec les gars de Château Vacances, c'était aussi une installation. On aime bien le côté justement le côté artistique qui continue après la musique, le côté visuel, puis c'est une installation, donc quelque chose qui est organique comme notre musique, à quoi on peut toucher, qu'on peut voir, qui existe à quelque part, qui peut-être va venir en tournée avec nous autres. Fait que c'était très beau, puis c'était une belle justement un bel ajout, puis à l'album. C'est que ça a comme bien bouclé la boucle, comme on dit. Ouais. Alors, on dit merci à Max et à Jérôme pour ce joli travail. Oui! Fab, avant de nous quitter, qu'avez-vous d'inscrit au calendrier de Random Recipe dans les prochains mois? À part quelques shows, justement, au Québec, à Sherbrooke, Chicoutimi, Val-David, notre petite salle qu'on adore dans les Laurentides au mois de décembre, ça va être une année plus locale, disons. On va s'asseoir ensemble puis continuer à jaser de quel territoire on aimerait vraiment dans lequel on aimerait vraiment se lancer. Avec le premier album, on a fait la France puis la Belgique. Mais je crois qu'avec cet album-ci, c'est sûr, ça serait super le fun de retourner en Europe. Mais aller au-delà de la France, aller dans un marché peut-être plus anglophone, hein, qui pourrait s'ouvrir justement au côté même dans le style de ce qu'on écrit dans un monde qui nous catégorise pas parce que notre album se promène quand même un peu, même s'il y a un très beau fil conducteur. Des fois, il y a certains marchés comme le marché des États-Unis, surtout de la côte Est, qui sont très prônes à catégoriser, dire OK, vous faites juste du hip-hop, vous faites juste quelque chose, puis c'est un peu quelque chose de difficile pour nous autres parce qu'on s'embarque dans plusieurs trucs. Je pense pour Kill the Hook, c'est un album qui est tellement complet puis qui finalement a beaucoup plus de force. On va essayer de magasiner, on va essayer de se trouver des belles dates dans le côte ouest américain pour le printemps, autant que si on est capable peut-être voir l'Allemagne, le Danemark,
ça serait très cool. Fait que, ouais, South by Southwest au mois de mars, c'est un gros festival de musique qui se passe au Texas. On va essayer de s'y rendre, puis de peut-être rester là, faire la Californie. Ce serait quelque chose qu'on aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on veut voyager partout dans le monde. Si les Japonais nous invitent, on va au Japon. Si le Mexique nous veut dans les stades de soccer, on va aller là. On n'est pas, on met pas de limite, disons. Fait qu'on est juste content de jouer de la musique, puis surtout faire des spectacles, c'est notre fort. So, that's it. Parfait, mais alors on vous souhaite de beaux succès à travers le monde avec ce nouvel album Kill the Hook. Rappelons en terminant, le tout nouvel opus de Random Recipe, Kill the Hook, est disponible sous étiquette Bond Sound et nous avons une copie à faire tirer aujourd'hui. Appelez-nous au 514-495-2597, 514-495-2597 ou envoyez-nous un courriel à lemag102.3fm@gmail.com. Et pour avoir la chance de vivre cette expérience sonore sur scène, ne manquez pas la formation ce soir au Cercle à Québec, demain soir au Sous-Bois à Chicoutimi et pour toutes les autres dates, rendez-vous au randomrecipe.ca. Encore une fois, merci Fab. Nous nous quittons avec votre plus récent morceau, Joy, que je vous laisse plutôt dire la présenter. Joy, sur l'album Kill the Hook, c'est la première chanson que Franny et moi avons écrite en termes de paroles et en termes musicales avec les garçons. C'est la première chanson. Lui, il est parti beat, un petit bassline simple de Vincent. Puis la chanson parle justement de est-ce qu'on va réussir à retrouver la joie après une année quand même difficile. Puis oui, on va réussir, elle s'en vient tranquillement. It's delayed, but it's on its way. So, Joy, sur 102.3. Parfait, merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Joy, it's simply delayed. It will come one day. It's late. It's taking its time. Maybe it's lost its way. Smiling, sing to you this way. I close my eyes and hope for a dream once, 'cause I never cry. Russian's obsession with choking the lights, finding umbrellas to rain on lives. It's pouring like whiskey on them on and out, but no reason to grasp and reason it out. Lost again, flooding dead ends. Too many friends, one or two in the end. Empty bed filled with emptiness, making love to the walls. Forsaken hearts, running, screaming. Feet are still, mouth is open, there's no sound at all. Nightmares repeating, you try to wake up, shaking your head till the boots stops. They say that all is fine, but you're my hearse and you're smart to invert lines. Some of it hurt and pass words to hit behind. So you find verbs that your words are tight, I make you drip like a king with no crown. They say that all is fine, but you're my hearse and you're smart to invert lines. Some of it hurt and pass words to hit behind. So you find verbs that your words are tight, I make you drip like a king with no joy. It's simply delayed, it will come one day. It's late. It's taking its time. Maybe it's lost its way. It hurts to find me a smile and sing to you this way. I close my eyes and hope for a dream once, 'cause I never gray. When you see black, watch your back. Protected from 360.
Le Mag sur le 102.3 FM.